les jeux d'horreur. Donc, n'oublie jamais, si tu vas à droite, va à gauche, surtout. Et si on te demande pourquoi, tu dis 42. Tu dis 42. Ah putain. J'ai une sacrée idée. Ma chère, Ah bah, le jeu a très bien compris comment je réagissais. Il sait que quand je pris la porte de et j'arrive même pas à le viser, t'es sérieux. Sale mais... gamin va. Mais je pense que quand tu arriveras devant les big box, dans certains moments. Comment Natsuo? Je dis quand tu arriveras devant le demi-boss d'ici un certain moment, je pense que là tu auras vraiment quoi crier. Non mais faut pas que je crie à mon copain qui dort. Ah attends. Alors lui c'est qui? Alors lui c'est Jackie la bouteille. La bouteille au corps des pucelés. Alors si j'ai un conseil à te donner quand même malgré tout, ça c'est une règle à respecter dans le jeu. Quitte à utiliser tes armes, favorise en deux. Donc le cutter plasma, ce que tu tiens actuellement dans les mains, et le trancheur. J'aime bien le trancheur. Alors le trancheur c'est bien parce que il a une grande longueur et il peut faire d'énormes dégâts. Mais le cutter plasma, il est extrêmement simple à upgrade. Et une fois upgradé, on va pas dire qu'il est d'équivalence au trancheur parce que voilà, c'est pas vrai. Mais il peut faire des dégâts extrêmement considérables et il peut être très rapide. Et le fait qu'il soit modulable avec attaque primaire et attaque secondaire, c'est juste génial. Donc n'hésite pas si tu as des points de force et que tu vois par exemple des plans upgrade à fond. Il y a ça que tu dois faire, donc ton arme. Nécessairement les dommages, puissance et nombre de balles à l'intérieur, parce que crois-moi que dans le jeu c'est pas ça qui te fera défaut. Ouais. Et surtout il sera confronté, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Dead Space, c'est que il faut absolument que tu upgrade très très bien ton rig. Alors le rig, ouais, c'est ce que tu as dans le dos, avec la jauge d'air et ta jauge de santé, parce que pendant un moment tu vas devoir te balader dans l'espace, et si tu manques d'air, bah ça sert à rien, hein. Voilà. C'est un petit peu ça. Bon voilà, c'est deux trois petites astuces que je te laisse. Voilà, c'est cadeau, c'est pour toi. Après, c'est toi qui joues, donc c'est à toi de jauger tes points de force. Bah pour le moment, j'ai augmenté le cutter plasma, le trancheur. Le trancheur, c'est pas mal. T'en auras besoin. Mais disons que tu auras plus souvent des munitions pour le cutter que le trancheur. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que, par exemple, pour le 1 et le 2, tu as des munitions pour chacune des armes. Mm-hmm. Tandis que dans le 3, c'est les mêmes munitions pour toutes les armes. Donc, ah, c'est ça, j'en sais plus, ça. Comme ça, t'as plus nécessairement de problème d'inventaire. C'est juste affreux l'inventaire sur ce jeu, par contre. Ah bah voilà, après il faut, si tu veux augmenter la taille, faut augmenter Pardon. Mais il revient. Mais il revient en plus. Et il revient parmi les siens. Mais va-t'en, mais t'approche pas, mais t'es moche. Mais saute au mur si tu veux, mais va-t'en, mais va-t'en. Mais t'es juste vilain. Le mec easy, il passe et il revient quoi. Je vais te faire un cala. Non mais non. Non, toi par contre, non. Non, 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 non. Toi t'as un autre level, toi par contre. T'as fait chier.
Ah, ça me fait rire. Non. Non, 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 non. Non. Non, vous avez pas le droit, vous avez pas le droit d'attirer. Non, 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 non. Je vais finir à la source, surtout. C'est des bêtises. Pourquoi tu regardes au lieu de tirer, patate? C'est pas ma faute. Tu t'as publié pour le... pour le cutter. Mais y'en a un autre. Mais t'es sérieux? Mais vous arrêtez de popper comme ça, là. Prends les munitions. N'avance pas tant que t'as pas toutes les munitions. Bah ça, on s'en fout. Ah non mais... C'est le mec, plus il sera loin, mieux ce sera pour lui. Non mais c'est tellement ça. Ah oui, j'ai un lance-flamme, c'est vrai, faut pas que j'oublie. Bon, le lance-flamme... Le lance-flamme, c'est de la merde, oublie-le. Moi, c'est ce que je me suis dit, j'avais des doutes à l'acheter, mais... J'aurais peut-être pas dû. Bon. Attends, eux, il faut que j'aille, d'accord. Tout droit. Après, si vraiment tu fais de la course au succès, t'as un succès à débloquer sur Steam, genre, pour avoir toutes les armes du jeu en New Game Plus, mais bon... Franchement, pour ça, c'est... Ouais. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je crois que le but, c'est d'abord de prendre plaisir au jeu avant de... plaisir, quoi, tu vois. Je suis seule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. Et par contre, je sais pas qui c'est. Dans la table ronde, il y a Vander. Oui, il regarde le stream. Tu vous connais. C'est un mec qui, 16 ans, me regardait silencieusement sur le stream. Et vous avez tué cette infirmière. Pitié, aidez-moi, je vous en prie. Il n'y a plus de pitié là. Pitié, aidez-moi, je vous en supplie. Pitié. Il y a mes tés. Il y a mes tés, quand. Ok, et il faut pas que j'aille là-bas. Vous êtes sûr? Attends, comment elle est la map là? Allons voir la carte. Ok, non, il faut que j'aille au fond. Faut que j'aille au fond, c'est obligé. Mais un mec il va apparaître, mais bon. Allez au fond des choses. Ah, allez, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pour ça qu'il y a un long couloir, justement, et qu'on te dit. Mais non, justement, va juste à côté. Attends. C'est moi ou j'ai rêvé, j'ai entendu des bruits dégueulasses? Non, bon, c'est moi. J'ai entendu des bruits dégueulasses. Message, d'accord. Non mais mec, tu restes à terre. D'accord, ok. Oh là là, one shot. Double kill. Ah, c'est pas cool ça. Ah, c'est vraiment pas cool. Tout ça pourquoi? Pour deux dents trancheurs, mais t'es sérieux? Non. Et une pompe oxygène, deux caisses qui contenaient, attention, 1200 crédits et énergie plasma. Bon, moi j'ai retrouvé des munitions quoi. N'hésite pas quand tu retrouveras un stock. Prends des. On appelle ça. Des munitions pour le cutter plasma plutôt que des dents de trancheur. Enfin, j'en ai jamais de munitions. Généralement. Après voilà. Oui. C'est toujours intéressant d'en avoir. Le cutter plasma, tu seras très très impressionné. Qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Oh la vicieuse, oh la mauvaise. Et qu'est-ce qu'elle lui fait? Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Ok meuf, t'es bien dans ta tête. Et t'es bien dans sa tête. Ok. Bah oui. Pitié qu'il y a rien qui me jute sur la gueule. Alors les messages comme ça je les lis pas, c'est hors de question. Là y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre, d'accord. Un point de sauvegarde. Ah ça y est, il jouit. Ah non, quand il y a ce point de sauvegarde, c'est juste merveilleux.
Ah, tout va bien. Non mais c'est ça, il m'a dit ça va, tout allait bien, ouais. Oh bonjour. Oh putain, vous m'avez vu. Oh putain, je vais me trancher la tête. Vous êtes pas censé me voir. Oh non, encore un long couloir. C'est ça. Transmission. Sur Kain, officier scientifique en chef au rapport. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe. Mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Et du coup, elle est partie le docteur faire Werther le m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Non, le pas docteur tout à fait, Welland, psychiatre de la colonie, elle m'a va indiqué avec que ses analyses ne l'ont elle pas Elle a Discord, mais elle regarde le Je ne suis pas sûr que l'idée de Werther soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Comment s'organiser? Oh là là. De toute façon, on peut pas parler. Oui, ma chérie. Allez, continuons. Mais déjà, si je. Si j'en pense. Non. Va-t'en. Va-t'en. Mais va-t'en. Il se prend 3 recharges, il est toujours pas mort. Faut qu'il va jurer quand même. Si j'en constate ton armure, t'as déjà bien upgrade un peu ton armure. Oui, j'ai pris la des When I butter. Je crois qu'il y a de tes viewers qui sont venus tout à l'heure, je suis pas sûr. Qui tombe merde. Attends, c'est. Silex. Silex. Ah putain, Silex Core, non? Je sais pas quoi. Xor. Oui. Et peut-être Skyfall 18, une connerie comme ça. Non, ça c'est pas un de mes viewers. Ah. Ouais, non, ça c'est pas bon ça. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on est déjà en bas. Ok, d'accord. En fait, ce jeu, ce qui est. Oh. Le plus horrible, c'est que tu fais sans cesse des retours arrière. Alors, j'espère que tu vas bien en profiter parce que, après, tu vas voir. Bon, plus tard dans le jeu, hein, pas maintenant. Tu vas avoir des phases d'ennemis qui vont défoncer les toits des cages d'ascenseur. Oh non, non, s'il te plaît. Non. Ah, c'est pas moi, hein, c'est le jeu. Je m'en souviens. Oh, non, 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 non. Non, 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 nap, nap, nap. Oh. Ah oui, là tu vas aimer. Non, non, ah non. Oh si, tu vas aimer. Qu'est-ce que c'est? Énergie plasma, attendez. Hop. Ça c'est quoi? Dans le bordel que ça fait. Alors, attention, cri dans. Alerte au cocol, les enfants. Merci du follow, Kaimin. Et bienvenue à toi. Ah, c'est quoi ce cri? C'est quoi ce cri? Ah, c'est juste un grincement. Dis-moi que c'est un grincement. Maca, confond les cris. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ah, mais on est à la morgue? Oui. Oh non. Prends les crédits, Maca. Hein. De loin, bien sûr, mais prends les quand même. La télékinésie est ton ami. Message. Alors, le message, je ne le lis pas, on est d'accord. Nouvel objectif, d'accord, je me casse. C'est ça c'est... Non, c'est même pas ça. Salut Kimi. Salut, salut. What the fuck. Ah oui, c'est comme dans le manga. Enfin, dans le dessin animé, ceux qui ont vu le dessin animé. Ah non, mais c'est vrai, il casse la vie. Fils de chien, fils de chien. Et là, t'as encore violence. Genre, non, ne t'approche pas, mais t'approche pas. Mais je vais te prendre au cutter plasma, ça va te faire tout drôle. T'es pas mort? Non, arrête! Arrête! Arrête de prendre tous les cadavres, hein, c'est bon, ça suffit. Objectif atteint. C'est tout? Code bien reçu, ils ont l'air bons. Code bien reçu. Dieu merci. Ah, attends, en fait, je vais fouiller dans les rapports du en fait avec ses ennemis, rendez-vous au tram. C'est la. Là-bas.
Et ensuite, tu butes Natsu, il y a ton micro qui a coupé quand t'as voulu dire un mot important. Je disais, en fait, tu dois d'abord détruire l'espèce de bestiole volante. Et dans un second temps, tu es Gout. Parce que sinon, à chaque fois, la bestiole, elle va, elle va régénérer, en fait. C'est ce que j'ai pu comprendre. Il est vénère, ce jeu. Il est horrible, ce jeu. Il est horrible. Il est pas vénère. Il est juste horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Mi-crédit. Ah, c'est cool, ça. Oh, shit. Et un point de force. Ouais. Mais je sais que... Alors, je me souviens que dans le 1 et le 2, très fort longtemps, j'avais vu des vidéos où il y avait des mecs qui arrivaient à glitcher le jeu pour avoir des points de force illimités, des crédits illimités. Je me dis, oh, trop beau et tout. Mais en fait, j'avais pas la foi parce qu'il fallait recommencer à un niveau spécial et tout. Donc, en gros, il fallait que je refasse le jeu. Je fais nope. Non, en fait, effectivement, tu as une technique pour glitcher le jeu, mais elle est assez spéciale et il faut être un tantinet, on va dire, patient. Ouais. Bah, c'est du farm, quoi. Ah non, mais on est où là? Non, là ça va spawn de partout. Non, ça va spawn. Non, mais non. Attends, si je sprint directement vers la sortie, ça va aller. Ah non, d'accord, je suis remonté par là. Attends, sprint. Je suis impatient que tu tombes sur les. Petit accent en délire. Comment il m'a foncé dessus? Au violeur. Non, mais non, c'est pas drôle. Si, c'est très drôle. Ah, mais t'as vu comment il m'a. Attends, c'était genre le mec mort de faim, quoi. Rechail. Oh, j'aime pas quand j'entends des bruits de clés tomber, des. Oh non, c'est horrible. Rechail. Oh non. Ce truc. Ah. Il y a Métis qui arrive plus à respirer là. Ah non, mais non, mais. Ah non, c'est... il est horrible, il est horrible. Alors, ce truc, faut que je fasse gaffe. Putain, mais fait peur ce coup de black. Je sais pas comment il a fait, mais un des salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. Non, vache pas. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses. On n'est jamais prêt à ça. Mais elles viennent de la planète Brité en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Non, mais je m'en fous. Les moteurs sont coupés et on dévide notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Il y a des bruits chelous. C'est quoi cette musique? Non, les violons qui grincent, ça ira. Vous entendez ce... Non, là, il va se passer un truc. Donc justement, comme je te disais tout à l'heure, je suis extrêmement impatient que tu tombes sur les invulnérables. Non, ta gueule. Là, ce violon déjà n'inspire pas confiance. Oh non. Arrêtez de faire tomber des outils, je vous en supplie. Ok, on va y aller en douceur. Oh putain, attends, par où? Ok, à gauche, donc on va regarder à droite. Il est métis. C'est du classique, c'est pour se détendre. Tu te fous de ma gueule, meuf. Kappa. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, on est de retour ici. Et je dois partir par là, d'accord, ok. Le stock. J'adore, putain, Yemeti, c'est le vent du rêve. C'est classique, c'est droit de détendre. Ah putain, alors inventaire, j'ai rien à vendre par hasard. Combustible. Lance-flamme. Cutter plasma, 0. y'a rien à acheter. J'ai économisé pour la tenue par contre. Parce que j'ai arrêté d'acheter des points de force. Je me suis T'es armure niveau combien? Bah c'est la deuxième armure que j'achète. D'accord. Enfin non, c'est la première armure que j'achète, je suis con. Bon, c'est la deuxième que je porte, toi. T'es tenu niveau 2 là. Alors qu'est-ce que je pourrais vendre? Les soins moyens, mini kit de soins. Ça je peux les vendre maintenant, ça sert plus à rien.
Combustible. Est-ce que je vois le combustible et le lance-flamme? Ouais, je vais les garder en cas où. Maintenant que je les ai achetés, ça sert à rien de les revendre. J'ai pas besoin d'argent. Par contre, on va se regarder, hein, hein. On va le prendre sur le garde qui nous sourit. Hein. Voilà. Ah ok, on est de retour à ce niveau. Donc on va reprendre le train-train. Il y a un souci là. Il y a un souci. Elle est passée où la meuf démembrée, les cadavres, ils sont passés où? Il y avait des sacs de cadavres et tout là. Il est métissé d'accord avec moi, il y avait la meuf qui avait bugué avec son bras là. Où ça nous a fait tilter là? Non. Ouais, par contre je m'en souviens très très bien. Et ça, tu le sauras dans le prochain chapitre. Je ne spoil pas. Je m'en souviens un peu, mais j'ai pas trop envie de m'en souvenir en fait. Allez, montons dans la navette. Non, montons dans la navette. Tu me fais pas peur avec la télékinésie, ça sert à rien. Allez. Où on va maintenant? Ils ont des pop et c'est propre. Ouais, non, mais c'est clair. Terminé, épisode 2. Sois intensif. Ouais, à d'autres le sentent aussi fin. Wout. Ouais, enfin, disons que c'est vrai que moi je travaillerais dans un hôpital pareil. C'est la femme de ménage. Ah, pas de sang partout. Femme de chambre. Alors, où on est ici? Oh putain, il m'a fait peur. On a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. Ce black, sa façon d'apparaître. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Et c'est qui va faire tout ça? C'est Bibi, hein. Putain. Ouais, c'est parce que Isaac est homosexuel, quoi. Exactement. Attends, là, y'a quoi, là? Par contre, ici, c'est propre, y'a pas de sang, y'a pas de cadavre. Y'a pas de meuf qui dit des choses bizarres. Par contre, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ton titre, repose en paix, Maca. Je sais pas, j'ai trouvé ça mignon. Ouais, j'avoue. Par contre, t'as pas changé le titre de ton jeu. Bah, en fait, si, mais il s'est remis sur Irene, je sais pas pourquoi. Même Wendy l'a vu, elle me l'a prévenu, mais j'étais en train de jouer donc je savais pas trop. Oh mon dieu. Attends, je vais essayer de faire un truc. Oh my goodness. Ok. Donc pas pareil ici comme ça. Ok, pourquoi pas. Voyons ce qu'il y a ici. Ok. On est d'accord. Les mecs sur le siège, il est mort. Ah, hein, on est d'accord. Il va pas bouger. De toute façon, on aurait moyen. Elle a été utilisée par Xavier là-dessus, oui. Alors, ça, c'est Franck. Franck, moniteur de bord. Tu te relaxes 2 secondes que le jeu te dit nop. No. Alors je sais pas s'il va le prendre, on va tester. Voilà, le jeu a été modifié. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Doppel. Ça fait 2 jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthews est mort. La panique, les émeutes, c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus. Ah voilà, Dead Space, ici ils sont là pour nous tuer jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. Espace mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux. Pour l'instant, on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Putain. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Ok, d'accord. Bon, je vais sauvegarder encore une fois. On sait jamais, hein. C'est le mec au cas où, tu veux dire. Non mais c'est ça quoi. On sait jamais. Tu vas compter son nombre de sauvegardes, tu vas avoir 56. Bah à chaque point de sauvegarde que je croise en fait. Mais au point de sauvegarde de tout à l'heure, j'ai dû sauvegarder au moins 3-4 fois hein, dessus. Par contre j'aime pas trop ça ici là. Descendre dans les ténèbres quoi, bonjour. Il y a du sang partout évidemment.
ici. Tiens, d'ailleurs, apparemment... Non. Alors toi, non, toi t'es pas mort par contre. On est d'accord que le mec, en plein milieu, là où je dois passer, bien évidemment, nécromorphe, hein, il n'est pas mort. Nous sommes d'accord. Merde. Là, il va se lever. C'était obligatoire. C'était obligé. T'es mort maintenant. Ah, c'est ça que je voulais. Est-ce que les gens se sont morts? Ah non, attends. Ok, je dois aller par là, donc on va aller voir ici ce qu'il y a ici. Ah! Les combinaisons, j'ai peur. Il y a un plan qui est en train de se passer dans le jeu. Ouais, j'avoue. Mais arrête ça! C'était plutôt un plan sadomaso, tu vois. Ouais. T'inquiète pas. Mais ça a dû lui faire mal. Mais ça a dû lui faire mal. Pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça? C'est pas possible. Allez, là j'ai tout pris. J'ai tout pris, on est d'accord. J'ai tout pris. Allez, on continue. Aujourd'hui, les enfants, pour le cours de sadomasochisme, c'est crochet de boucher. Oh putain. Oui. Pitié, Kara qui va me spawn là sur la gueule. Un message encore. Non, un message je lis pas. C'est hors de question. Attends. Toi t'es bien mort hein. Ouais, t'es bien mort. Il ne faut pas voir de texte partout. Tout à fait shy, mais bon. Voilà, c'est vraiment ça. Mais bon. Moi je suis perturbé d'avis. Un plan. Et ça par contre ça va être utile. Ouais. Trancheur. Trancheur ou cutter? Oh, vis sur le cutter. Le trancheur, il est déjà bien. Je augmente la capacité. Pour ça, je pourrais être un peu plus productif avec, on va dire. C'est quoi ça? C'est... Ouais, 12, ça okay. Dépend. Je suis monté à 12, lol. Bon, c'est pas énorme, mais bon. C'est déjà ça. Oh non. Non mais ne touche pas les seins, voyons. No. Ok, il faut que je tourne à gauche. Attends, il y a un mec qui est passé sous la grille là. Ah non, c'est brumeux, j'aime pas. Oh putain, c'est un labyrinthe. Ah non. Il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. On a qu'à respirer. Allez, les métis, chante une petite chanson pour Maca. Ah, c'est plutôt Maca respire. Pourquoi il y a de la brume dans un vaisseau? C'est ça, j'ai jamais compris quand même. Alors, je peux t'aider. Ça s'appelle de la vapeur. Oui, d'accord. Un bébé. Un bébé qui s'est foutu de ma gueule d'ailleurs. Copieusement. Cordialement. Ok. En plus ça grince de partout, c'est dégueulasse. Ah les shit. Please. Il est mort. Il y en a pas qui m'a pomme derrière. Hein. Non ça va. Je ne sais pas. Toujours derrière. Toujours. Il est où le bébé? Je vais chanter une petite mélodie, telle une petite pour rester dans le glauque. Oh, merci Yemetis. Non, t'es pas obligé Yemetis. J'adore le. 200 pas obligé. No. Oh mon dieu. Ok, y a rien d'autre. Ah, il faut que je monte. Oui, il faut que je monte, hein, sinon c'est pas amusant. Et bien sûr. Oh les shit. Ok d'accord, il faut aller là. Attends mais c'est tellement sombre. Avec... Non, avec des pustules, dégage avec des pustules. T'as des pustules qui te collent aux pattes. Ah ces trucs sont juste répugnants. Faut les écraser hein, c'est ça? Ouais.
C'est des Mycos of You. Bonjour les Mycos. Voilà. Oh, y a ça.